Entrez, Pierre-Antoine, comment ça va? Ça va et vous? Bah super. Vous êtes en finale aussi? Ouais, ça y est, on est en finale. Tout le monde est content, on est heureux. Ça va être un très très beau match. On a une fan zone, tiens, qui arrive devant le stade. C'était Romain Aran. Vous allez voir qu'ils étaient très très chaud. En tout cas, on a vécu une belle soirée hier. Il y avait des actions magnifiques. Moi, j'avais coché la case. En plus, j'attendais ça depuis un moment. On se revoit les plus belles actions. Bah allez. Oui. Allez. Bah on y va. Allez, c'est parti. Alors, regardez, je fais un petit Messi. Et oh. Il y avait celle-là. Là, bah oui. Bah moi, je suis corpo. Hier, j'étais devant la chaîne L'Équipe. Regardez celle-là. Alors, on avait vibré. Mais qui les couillons. Regardez l'ampoule. Une ampoule. On était plus de 1350 dans la chaîne L'Équipe hier. 43 000. Je sais pas. Bah, c'est pas mal, 43 000. C'est énorme. Non, j'en sais rien. Non, vous savez pas. Ça, j'ai pas regardé. J'ose pas. Pour toutes les chaînes, j'ose pas regarder vu ce qui s'est passé avec les Bleus. Vous êtes très drôle, là. Hein. Oh non, c'était une petite... voilà. C'est beau. C'était comme ça. Bon, sinon, oui, il y avait ce match sur TF1, sur Bein Sport, cette demi-finale de Coupe du Monde, et Antoine Griezmann qui a été incroyable. Non, mais il était incroyable, Antoine Griezmann. C'est-à-dire qu'il était tellement partout, Antoine Griezmann, qu'il était au Grand Beau cet après-midi. Hein? Incroyable, Antoine Griezmann qui vient de réussir le vol sur 20. Il va ressortir en tête. C'était lui. Incroyable, Antoine Griezmann qui s'est imposé aussi cet après-midi. Bah, il avait c'est un décrassage hein, pour lui. Hein. Il part en décrassage, tranquille. Ça lui fait pas peur, on le retrouvera. Donc, il fera la mass start dimanche à 14h. Et ensuite, paf, il part, Doha et match de foot. On a perdu Karine, ça y est. Demain, 13h05, le biathlon. 13h05, ça, oh là, vous avez mis ça où dans l'oreille? Non, mais je retiens. Bon, alors, la France rejoint l'Argentine et c'est vrai que c'est les supporters sont assez chauds, du côté de l'Argentine quand même. Oui. Hein, on vous a fait un petit mix de ce qui s'est passé depuis la qualification des deux pays. Allez, on y va. Et nous, c'était un petit peu compliqué. Regardez, compliqué, c'était sous la neige, hein, on va pas se mentir. Eh oui. Fallait avoir la motive. Hier, ça, c'était du côté de Strasbourg. Ouais, ouais. Bon, après, là, c'était vraiment voilà, la fête. Oui. Et puis, il y a un gars qui a tapé, c'est pas sa meilleure soirée, je crois. Hein. Il arrive. Ah, c'est lui, regardez. S'il vous plaît. Alors, il y a quelques minutes, j'ai perdu mon téléphone. Bah ouais, on en profite, on passe les messages. Évidemment, côté Argentine, il y a eu du beau monde. Regardez, Iron Man était présent. Ah, il a fait toute la... Voilà. Il est fou, ce déguisement. Ils sont chauds, il est fou. J'adore. Spider-Man aussi a fait chaud bien monsieur faut c'est dangereux, ouais, c'est dangereux, c'est un peu dangereux. Il y avait l'ex de deux hop là, regardez, ça bouge pas mal le petit pied, ouais, ça twist évidemment. On a vu aussi l'ex de Dominique Grimaud qui a fait la fête évidemment. Oui. Il n'y a pas d'âge pour aimer le football, madame, c'est beau. Et Dominique, non, bah Dominique, il dormait. Omar Da Fonseca, regardez, il a mis le feu, il était, bah, il est inarrêtable maintenant. Hein. Ah ouais, oula. Ouais, ça c'est le foot. Et puis avant-hier, on avait vu ce champion, souvenez-vous, Greg. Ouais. Il a fait des buts. Et on a pris des nouvelles. Ça nous arrive. Oh là là. Et ça va. Il a posté un message, tout va bien. Oh, j'ai mal. Parce qu'on me dit, tu prends jamais de nouvelles. Mais oui, moi je vous le dis. Non, tout il temps. A eu quelques petites entailles à la cheville et voilà, il sera donc apte pour la finale dimanche. C'est terrible. Hein. Quoi? Bah non, bah, c'est terrible, ça nous fait rire alors qu'il est beau. Parce que la baie vitrée était propre. Bah oui. Et puis, pas assez solide, je vous l'ai dit. C'est vrai. Qui est sorti hier soir dans la rue fêter ça un peu? Moi, tout ça, il fait trop froid. C'est le problème de cette Coupe du Monde en hiver. Il fait trop froid. C'est un peu un chemin de croix pour sortir. On est en finale. Oh la vache, ça caille. Allez, on rentre. Hey, t'aurais dû venir hier soir. On a foutu le feu dans la rue jusqu'à 6h du mat. C'était incroyable. Quelle bonne idée, cette Coupe du Monde en hiver. Hein. Ah ouais. Mais dimanche à 16h, il fera peut-être un petit peu moins froid pour sortir dans la rue ou pas, peut-être. Mais on aura chaud avec la victoire. Évidemment. En tout cas, hier, Romain Aran était devant le stade après le match pour une petite fan zone. On a vu des supporters très chauds. Eh oui, Doha, ça va. Ils ont un peu de chance. On y va? C'est la fan zone. Oh ouais! Allez les bleus! Et moi je viens de l'île de la Réunion, gars! Phénoménal! Il doit tout bouffer! Tout! Tout!
Impressionnant, impressionnant. Dépassement de soi-même. Griezmann, un cadeau, un dieu vivant. Il est vraiment très très bon. Griezmann qui revient un top top joueur et qui fait énormément de bien à la Coupe du Monde là. Bravo. Non, 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 on est les deux heureux, on est les deux contents, à la fois. Tout va bien. Triste et heureux, quoi. Faut juste regarder ce qu'il y a. Regardez ce qu'il y a. Non, on est franco-marocain, franchement. Bueno suerte, pero j'espère qu'ils vont perdre et qu'on va gagner, voilà. Merci, merci. J'ai peur, oui. Vous êtes nombreux, vous faites du bruit, vous mettez une sacrée ambiance, mais on va la plomber, on sera là pour gagner. Non, une blonde. Karine, voilà. Karine, oui. Non, bah pas à ce point-là quand même. Vous savez très bien que vous allez passer dans la petite lucarne, là, vous le savez. Ah bah y a pas de souci, y a de toute façon regret. Dave Apadou. Vous l'aimez bien. Et parce qu'il ressemble à Vikash de Rasso à l'époque, un grand joueur des Bleus. Nabil Djellit. Pourquoi? Ah, parce qu'il est là. Hein. Et bravo au Maroc pour leur parcours quand même. Il faut leur tirer leur chapeau quand même. Ils ont fait un très beau parcours. Yoann Micou, t'es le meilleur. T'es le meilleur parce que tu kiffes Benzema. Olivier Rouillet, on est de Nancy. On te passe un grand. On t'embrasse très fort. On passera ton café à l'occasion. Vous avez deux heures. Allez-y. Au sang. Parfois trop factuel. Ah, tu le rêves des fois. C'est vous, monsieur. Aubragnac. Niveau joueur. Vous avez fini vos cadeaux de Noël, juste? C'est dans 10 jours, tout pile. On aide le Noël. Papa Noël. Bah, hein? Presque. Oui, on aide le Papa Noël. Oh là, oui, oui. Ouais, putain, c'est vrai. On aide le Père Noël, évidemment, à faire bien des sûr. Courses. En tout cas, si vous n'avez pas encore fini de faire vos cadeaux, petite idée, voilà, de dernière minute. C'est bientôt les fêtes et tu es fan de foot? Découvre les supporters de Ligue 1 chantent Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, milliers. Un album qui vous fera danser juste après la bûche. Qui ne saute pas n'aime pas Noël, hey. Qui ne saute pas n'aime pas Noël, hey. Toutes vos chansons de Noël chantées par les plus belles voix des virages. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an. Et bonne année grand-mère, oh, 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 oh. Les supporters chantent Noël, un album à écouter en famille. Ou presque. La mère Noël, la mère Noël, la mère Noël est une star. Oh là, star. Évidemment. Et la tête de tous ceux qui bossent avec nous, on les salue, on les embrasse. Romain, extraordinaire. Romain, Resguero, la tête de Benoît, Théo Combe, Béric, évidemment. Voilà, on se quitte avec notre champion du monde. Ouais, vas-y, papa. Un vrai champion du monde. Il a un message. On s'en lui n'oublie pas. Il y en a encore un à niquer. Petit message. Merci.